ma foi exotique, qu'on appelle le bokken. On vient saisir aux extrémités. Là, on peut écarter un petit peu plus les appuis. L'idée, c'est d'avoir toujours les bras tendus. Et en fait, on va retrouver les mêmes mouvements avec le même travail d'inspiration qu'au début. On est droit, on vient inspirer, tirer les bras vers le haut, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, une dizaine de fois également. Donc on est là, toujours bien. Quand le bâton est là, bon après ça dépend de la taille des bras de chacun, mais on se retrouve au tiers supérieur de la cuisse. Et on vient comme si on cherchait à racler l'extrémité, donc on faut toujours aller chercher un petit peu plus loin. Pourquoi un bâton? Non, déjà ça met un petit poids en plus en vrai. Et simplement, quand tu es ici, c'est plus difficile de dire je vais chercher loin. Là, comme tu tiens quelque chose, tu crées une chaîne fermée qui est plus. Voilà, pour un maintien, c'est plus stable. Et donc ça, c'est pour le premier avec le bâton. Le deuxième.